Elle est née un soir d'octobre 2000. Du haut de ses 50 cm, ce petit poids-plume allait changer la vie de sa famille et surtout les nuits de ses parents. Elle est venue au monde à Libourne, car ils étaient deux, à Blaye, ils n'en voulaient pas. Dure réalité de la vie. Dès son plus jeune âge, Clémence s'est montrée impatiente, curieuse, voire même rancunière. Elle s'est prise de passion pour la nature ainsi que pour les animaux. Clémence est donc une fille nature. C'est pour cela qu'elle a décidé de devenir photographe animalier pour exprimer tout son sens artistique. Mais cela n'est pas flagrant. Clémence se dit végétarienne, mais quand il n'y a rien d'autre à manger, comme elle dit, on peut bien se faire plaisir. Elle vit dans les marais, mais elle ne supporte plus les petits moustiques. C'est pour cela qu'elle va partir en Nouvelle-Calédonie. Elle pratique la gym, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, ce sont les magnums au miel et au nougat. C'est la fille la plus dévouée, honnête, belle et généreuse que je connaisse. Cette fille, c'est juste ma meilleure amie.